si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église. Je compte jusqu'à trois. Uno, due, tre. Il y a beaucoup à apprendre, petit frère. Pardonne-moi, mais c'est vrai. Je ne sais pas ce que... Ah, c'est que tu me ferais presque de la peine. Ah, une défaite, ce n'est pas déshonorant. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure, et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Très bien. Assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi ? Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer après. Ah. Oh non, c'est Vieri. Je vais me cacher. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Christina! Christina! Qui est là? Moi! Oh! Ezio! J'en étais sûre! Est-ce que je peux entrer? D'accord. Mais juste une minute. Je n'ai pas besoin de plus. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Approche. Oh, Ezio... Oh, Ezio. Christina ! Christina ! Réveille-toi ! Ton précepteur va arriver. Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Et... Figlio d'un cane, que fais-tu là? Pardonnez-moi, messere. Je suis désolé. Je vais te tuer. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde, garde, rapportez-moi sa tête. Allez-y. On ne va pas s'énerver pour si peu, quand même. Attrapez-le. Sous quinzaine.
Un groupe de mercenaires. Je crois que vous me confondez avec un autre. Elle voulait que je l'aide à faire des choses. Je suis presque innocent. Excellent choix, signore. Là-bas! Ne le laissez pas s'enfuir! Oh, basta! Oh, ça suffit! Vite! Il va s'échapper, saisissez-le! Si bas que vous n'en croirez pas vos yeux. Dis-moi, qu'est-ce que tu prends? Tu ne peux pas fuir. Où est ta panière, sale rat? Nap, j'ai déjà fait. On va la voir. Fais-moi confiance. Ne pas se rendre chez les Bentivoglio à Bologne. En effet, un des membres de cette corporation avec toute votre garde-robe. J'ai un élixir fait à partir de plomb et de betterave, idéal pour le foie. Flèche, Tronzo!
Vaut mieux de se tenir tranquille. Qu'est-ce qu'il cache là, cette... Mais... Qu'est-ce qu'il cache? Restez là. Et où est-il? Eh bien, qu'avez-vous, mon ami?
peux aussi vous proposer tout un... Bien, une autre fois. Une nouvelle fois Florence. D'où vient-il? Tu dis j'ai leur mépris. Bondi. J'ai aussi de nombreux accessoires, y compris ceux dont vous n'avez pas. Sûrement un mercenaire. Où est-ce que je l'ai déjà vu? J'accueille tous ceux qui ont besoin d'aide. Carne fresca! Je vous salue, père. Viens avec moi. Qu'y a-t-il? Me croirais-tu aveugle et sourd, mon fils? Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir et qu'ensuite tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir, père. Reviens me voir quand ce sera fait. Excellent choix, je vous félicite. Approchez. Si vous changez d'avis, je suis ouvert presque tous les jours. Nous sommes fiers de vous. Une autre fois, peut-être. Auriez-vous perdu la raison? Trouvant dans nos murs. Notre glorieuse République, dans sa grande sagesse, a décidé de prélever... Venez, mes amis! La marchandise est exceptionnelle! Honte à vous, vermine ambulante!
Ah, Ezio, mes respects. Vous allez bien ? Comme toujours. J'ai une lettre pour Messer Lorenzo. Je la lui remettrai dès son retour. Son retour ? Ils sont partis à la Villa Careggi, et ils ne reviendront probablement pas avant demain. J'en informerai mon père.